2020 sera-t-elle un bon millésime pour les foires au vin? Apparemment oui, car si cette année est catastrophique pour les vignerons, le consommateur, lui, est peut-être gagnant en ce moment dans les rayons des supermarchés et des cavistes. Les foires au vin, qui étaient un peu boudées l'an passé, retrouvent-elles de l'intérêt malgré le plafonnement des promotions? Comment faire de bonnes affaires? Comment les vins sont-ils sélectionnés? On va tout vous dire dans notre dossier du jour. Avec Hakim Ben Daoud, bonjour. Bonjour. Merci de revenir nous voir. Vous êtes journaliste collaborateur pour la Revue du Vin de France et vous avez participé justement au numéro spécial Foire au vin. Vous nous donnerez vos bons conseils tout à l'heure. Et puis Christopher Hermelin est avec nous. Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes le directeur marketing de l'enseigne Nicolas, réseau de plus de 500 cavistes à travers la France. On va commencer avec la question de Cyril qui nous dit « Chaque année, on nous dit que c'est la bonne année pour faire de super affaires. Difficile à croire à force. » Hakim Ben Daoud. Bon, apparemment, cette fois-ci, on peut vraiment réaliser de bonnes affaires. Pour alors, cette année, il y aura effectivement sans doute de bonnes affaires, voire de très bonnes affaires à réaliser, tout simplement parce que les stocks, les entrepôts sont pleins. Il va falloir les vider. Il y a effectivement principalement l'effet du Covid. Il faut savoir que toutes les expéditions à l'étranger ont été stoppées net. La restauration a dû baisser le rideau. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et puis le commerce traditionnel a vendu beaucoup, beaucoup moins de vin. Donc les stocks se sont accumulés. Et à un moment, ces stocks, il faudra bien les écouler. Ouais. Alors la foire au vin, c'est un événement incontournable pour les grandes surfaces. Mais comment est-ce qu'elles choisissent les vins en promotion et pourquoi les clients sont aussi fidèles à ce rendez-vous? C'est ce qu'on a voulu savoir à Vaucresson dans ce reportage de Fanny Duvaux et Geoffrey Bertrand. Les vendanges sont en cours partout en France. Et dans les grandes surfaces, c'est l'effervescence. Impossible d'y échapper, un vaste stand, une décoration de circonstances et des promotions alléchantes. La foire au vin est à son apogée dans ce supermarché. Donc ça sera très bien, ça ira très bien avec les légumes. Je vais vous faire découvrir. Ça, c'est un très joli rapport qualité-prix. Bourgogne, Bordeaux ou Côte-du-Rhône, à 5, 10 ou 25 euros la bouteille. Des offres qui attirent de plus en plus de clients chaque année. Le but, c'est de découvrir des vins essentiellement français. On a tellement de choix en France que c'est même pas la peine d'aller voir dans des pays exotiques. J'ai déjà fait ma foire au vin le week-end dernier. Là, je refais mes petites courses et puis je retraîne dans le rayon pour acheter du vin blanc que j'ai pas encore acheté. C'est un plaisir qu'on partage avec les amis, avec la famille. Les bouteilles, elles ont été sélectionnées en partie par Jérôme. De décembre à avril, ce directeur de magasin, passionné par le vin, a arpenté les vignobles de toute la France à la recherche de plusieurs perles rares. Si on prend une appellation Montpérou, ce vin-là est sorti premier de la totalité des vins qu'on a dégustés sous cette appellation Montpérou. Ainsi, ils sont plusieurs à aller visiter les domaines. C'est pas moins d'une dizaine de personnes associés, donc patrons de magasins, passionnés de vin, qui se déplacent dans chacun des vignobles pour aller à la rencontre des vignerons et sélectionner les meilleures bouteilles pour proposer lors de la foire au vin. Pour lui, ce rendez-vous commercial est un enjeu majeur. C'est la période où les Français achètent le plus de vin. C'est pas moins de 10% du chiffre d'affaires vin AOC qui est réalisé en espace de 10 jours. Donc au niveau national, la foire au vin, aujourd'hui, c'est 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout est mis en œuvre pour séduire le client. Quentin est en charge de la dégustation. Donc là, vous êtes sur un vin plutôt chaleureux et épicé. Et vous allez avoir vraiment toutes les caractéristiques du Pic Saint-Loup. Les clients sont ultra demandeurs justement en dégustation. C'est aujourd'hui ce qui pêche un petit peu dans les grandes surfaces. Et donc, nous, on est ici pour amener ce côté proximité et surtout découverte. Dégustation, conseil, sélection. La grande distribution s'inspire désormais des cavistes pour élargir sa clientèle. Emmanuel, lui, est un fin connaisseur. Il a une cave de 500 bouteilles. Oui, Gewürztraminer de chez Marcel Deiss. Donc là, on est pareil sur des vignerons alsaciens qui représentent l'élite de ce vignoble. Tous les ans, je fais la foire au vin à différents endroits. Voilà, il y a une très belle cave ici. Une très belle cave à l'abri des regards. C'est ici que sont conservés les plus grands crus, avec des millésimes pouvant aller jusqu'à 35 ans d'ancienneté et quelques trésors. Alors, on a une collection
de Château Yquem, présenté sur plusieurs millésimes, de 90 à 2000, dans ce joli coffret de collection. Impossible de connaître le prix de ce petit bijou. Ce caveau de conservation a été installé il y a 16 ans à la demande des clients. Une gamme plus riche proposant des bouteilles d'exception pouvant aller jusqu'à 900 euros. Avant de retrouver ces grands crus en rayon, les amateurs de vin doivent faire preuve de patience. Cela nécessite un long travail qui commence dans les champs, chaque mois de septembre. Alors, on a une question de Marie-Chantal à présent qui nous dit « La qualité des vins proposés est-elle équivalente entre un supermarché et un caviste ?» Est-ce que c'est une idée reçue de penser que les vins seront de meilleure qualité chez le caviste, Hakim ? Alors, le penser, c'est un petit peu comme... Ça revient à dire que finalement, tous les produits bio ou qui bénéficient d'un label bio sont bons. Non, d'accord. Ça prouve un mode de production. Ce n'est pas une garantie de qualité. J'ai envie de dire que concernant les circuits de distribution, c'est un peu la même chose. Moi, je veux dire que ce qu'on va surtout trouver, alors évidemment, il y aura peut-être tout au long de l'année, et non pas lors d'opérations spéciales, comme les foires aux vins, des vins de meilleure qualité chez le caviste, plus souvent, plus régulièrement, ils seront beaucoup plus réguliers dans leur approvisionnement. Et puis surtout, c'est ce qu'on va y trouver, c'est du conseil, et oui, du service et de l'échange. On n'aura pas forcément ça, c'est aussi précieux et ça fait partie de la qualité. Et si on doit aller acheter son vin en supermarché, est-ce que pour vous, il y a des enseignes à privilégier ? Alors, des enseignes à privilégier, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Ça a été le cas, par exemple, cette année, nous, on a particulièrement apprécié, au sein de la Revue du Vin de France, l'offre de Monoprix, hein, qui continue un travail. Ils n'ont pas démarré cette année, ça fait déjà quelques années qu'ils ont commencé à vouloir un petit peu bousculer les codes, rajeunir leur offre, sortir un petit peu des carcans. Donc ça veut dire quoi pour nous qui n'y connaissons pas grand-chose ? Est-ce que ça veut dire d'aller voir des vignerons D'aller voir un peu plus de vignerons indépendants, inattendus, voir des vignerons qu'on a un peu plus de mal à trouver dans des supermarchés, qu'on s'attend plus à trouver effectivement chez les cavistes, voire uniquement en restauration ou dans l'hôtellerie. Encore une fois, le Covid a aidé. Vous avez dit Monoprix en premier, Système U ensuite et enfin Auchan. Pour vous, ce sont les trois meilleures enseignes pour cette foire au vin. Ce qui est plus surprenant, c'est quand on va regarder votre flop 3, ce pour vous où c'est le moins intéressant d'aller en ce moment. Il y a pour un top, il y a aussi des flops. C'est Leclerc, qui est pourtant l'inventeur de cette formule des foires au vin. Vous considérez que c'est aujourd'hui le pire endroit pour aller... C'est pas le pire endroit, je ne serais pas aussi catégorique. Je dirais qu'effectivement, pourquoi Leclerc, pourquoi Intermarché, par exemple, pour ne prendre que ces deux enseignes. Il faut savoir qu'en matière d'organisation, ils sont totalement différents des trois top. Ce sont des magasins franchisés, ce qui veut dire que les propriétaires des magasins sont indépendants. Et souvent, ce qu'ils font, ce sont des achats complémentaires. Ils ont cette possibilité-là, à la différence d'un Auchan ou d'un Carrefour. Donc, ils ont la possibilité de compléter leur offre pour coller au plus près des attentes de leurs clients, alors que les enseignes très centralisées, elles, ne peuvent pas le faire. Ce qui fait que les acheteurs de ces enseignes vont privilégier plutôt des références, des valeurs sûres, des grands classiques. C'est ça, on ne va pas sortir un peu des sentiers battus. Voilà, on ne sort pas des sentiers battus. Christopher Hermelin, si on revient sur la comparaison entre cavistes et grands supermarchés, on se dit qu'il y a forcément moins de choix chez un caviste que dans les grandes surfaces, et donc peut-être moins de bonnes affaires. Par exemple, chez vous, combien de vins sont référencés dans une foire aux vins ? Alors, c'est d'abord une idée reçue. Nos caves sont plus petites, mais on fait que du vin. Donc, on n'a pas de cornflex, on n'a rien d'autre. Aujourd'hui, sur une foire au vin, c'est à peu près 60 références, 61 cette année pour être précis. D'accord. Lorsqu'on prend la grande distribution, on sera sur 70, voire plus. Donc, on est dans la moyenne. Mais ce qui est vrai, c'est ce que vous nous disiez pendant le reportage, vous allez peut-être moins chercher à tirer les prix vers le bas et plus aller chercher justement des vins un peu nouveaux. La philosophie est différente, vous avez raison. La philosophie est différente. Vous parliez de l'inventeur des foires au vin, on est dans la logique de déstockage quelque part. C'est de la foire au vin, historiquement c'était ça. Je le rappelle, pour les magasins dans le Finistère Nord, la première idée dans les années 60, c'était ça, c'était de liquider les stocks. Nous, on est plus dans une logique, chez les cavistes, en règle, alors c'est vrai chez Nicolas, mais c'est vrai chez tous les cavistes, de découverte. Faire découvrir de nouveaux produits à nos clients. Alors, il y a un phénomène de mécanique de promotion, bien entendu, c'est le rendez-vous, c'est la rentrée, on en profite, mais c'est l'idée. Aujourd'hui, chez Nicolas, c'est 70% des produits qui sont des nouveautés, effectivement. D'accord. Et c'était comment pour les foires au vin que vous passez à quel moment de l'année ? Parce qu'il y a eu un sujet là-dessus autour des grandes surfaces en disant que finalement, on ne va pas réaliser
tellement de bonnes affaires que ça, parce que les commandes pour cette foire au vin ont été passées avant le confinement et la crise sanitaire. C'est la même chose. Alors, je rappelle qu'il y a une crise sanitaire, donc pendant 3 mois, on n'a pas beaucoup circulé, ouais, déjà. Ouais. Je le rappelle, vous, je ne sais pas, mais nous, c'était compliqué. Et effectivement, c'est des choses qui s'opèrent en fin d'année ou début d'année, voilà, pour une foire au vin. Et c'est très en amont. Et en plus, on a un process. Alors, c'est vrai chez nous, mais c'est vrai aussi pour le caviste indépendant. On a un process de sélection, on déguste, on analyse. Alors nous, on est une vieille histoire, parce que historiquement, chez Nicolas, on a tout un process très élaboré avec des notations. Si la notation n'est pas au rendez-vous, le vin n'est pas sélectionné. D'accord. Et une fois qu'on reçoit ces produits-là, on fait des prélèvements pour vérifier que la notation sur le test est conforme à la réalité. Alors après qu'on aille en supermarché ou chez un caviste, hein, chacun a un peu ses techniques. Et justement, nous sommes en ligne avec Thomas, l'un de nos téléspectateurs, qui est un passionné de vin et qui a lui aussi ses techniques. Est-ce que d'abord, Thomas, vous êtes amateur de foire au vin? Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Oui, tout à fait. J'ai commencé ma foire au vin déjà cette année avec quelques achats, je vous confirme. Et alors, comment est-ce que vous y repérez, vous, justement? Est-ce que vous avez des enseignes que vous allez privilégier? Alors, effectivement, il y a quelques enseignes vers lesquelles je me tourne le plus facilement parce que je les connais, que j'ai des bons échanges avec mes cavistes, qui sont de bons conseils. Donc, j'ai effectivement quelques enseignes privilégiées. Après, c'est aussi beaucoup de curiosité. Chaque année, il y a des viticulteurs que je suis en particulier parce que j'apprécie leur travail et que j'essaie de les retrouver dans les foires au vin, etc. Et auprès des grandes surfaces, vous nous parlez des cavistes, manifestement le conseil du caviste est important pour vous. Est-ce que vous allez plutôt privilégier malgré tout ces enseignes un peu plus petites que des grandes surfaces? Ouais, je vous le confirme. J'ai plutôt tendance à acheter mes bouteilles soit directement en ligne ou auprès des vignerons, ou alors chez un caviste. J'achète très peu de vin en grande surface. D'accord. Et alors vous allez justement directement chez les vignerons, c'est-à-dire que vous sillonnez un peu la France pendant vos week-ends à la recherche de nouvelles bouteilles, c'est ça? Oui, régulièrement. Effectivement, on aime bien en couple aller visiter, rencontrer de nouveaux viticulteurs ou des viticulteurs qu'on a l'habitude de suivre d'année en année. Donc, c'est une pratique qu'on fait beaucoup. Ouais. Et alors, peut-être une dernière question et avant de continuer notre discussion en plateau, est-ce qu'il y a des prix qui parfois vous paraissent particulièrement suspects ou vous dites je ne vais pas acheter une bouteille trop bas, un prix trop bas, ça va éveiller des soupçons chez vous? Non, pas du tout. Genre, on a des très bons rapports qualité-prix. Ça m'arrive d'acheter des bouteilles. Là, j'en ai acheté pour la foire au vin des très bonnes bouteilles à 5 euros. Des bouteilles qu'on peut mettre sur la table un peu tous les jours. Mmh. Ça va des bouteilles de 5 euros jusqu'à des bouteilles beaucoup plus onéreuses. Mais il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a des très bonnes bouteilles accessibles à des prix très corrects. Ouais. Merci beaucoup, merci, Thomas, pour ce témoignage, Thomas. Et alors justement, on a une question. Pendant les foires au vin, les prix sont parfois tellement bas que je me demande si ça n'est pas de la piquette. C'est Valérie qui nous dit ça sur la plateforme de La Quotidienne. C'est vrai qu'on a on a repéré quelques prix de catalogue comme ce rosé à 1,98 € chez Intermarché. Il y a des bouteilles à 2,32, 2,82 € chez Lidl, un vin argentin qui est arrivé jusqu'à nous pour 2,49 €. Qu'est-ce qu'on a à ces prix-là? Est-ce qu'elle a raison, Valérie, quand elle parle de piquette? Ce dernier vin argentin, il n'a pas voyagé en première classe, hein, ça c'est sûr. j'ai envie de dire que, est-ce qu'on peut parler de piquette? Quel est le prix minimum qu'il faut mettre dans une bouteille? Très difficile à dire, j'ai envie de dire, c'est en fonction du goût de chacun. Toujours est-il qu'il y a malgré tout, et quels que soient les volumes, les grandes surfaces comme certains réseaux peuvent jouer sur les volumes pour faire tirer les prix vers le bas. Il n'empêche qu'il y a quand même un minimum de décence à avoir, il y a des frais qui sont incompressibles, comme je parlais du transport, mais il n'y a pas que ça, il y a l'impression, il y a l'impression des étiquettes, il y a le coût des bouteilles de verre. On vient tout à l'heure parler de 5 euros. 5 euros, on peut trouver de bons rapports qualité-prix. Il ne faut pas s'attendre à un miracle, on ne sera jamais sur des grands crus, mais il y en a. D'accord. Il y a des pépites à 5 euros et tout à fait correct. Il y en a chez vous, hein, un premier prix qui est à 5 euros. Tout à fait. Alors je rejoins Hakim Bedaoud. C'est-à-dire à 5 euros, on trouve, y compris dans les IGP, dans le Languedoc, par exemple, pour ne citer que ça, ou en Bordelais, on en a, nous. Hein, on trouve de très bons vins, bon rapport qualité-prix. Voilà. Après, ça reste de l'agriculture. Donc il y a le travail du vigneron, il y a toute la logistique derrière, le transport qui n'est pas à négliger. À 2 euros, nous en tant que cavistes, on considère que la filière est pénalisée. Ouais. Elle est non, ouais. C'est mission impossible.
si on n'est pas, si on n'a pas acheté votre revue et qu'on n'a pas sous le bras dans le magasin, si on n'y connaît rien, quand on se retrouve dans le rayon, est-ce qu'il y a des choses, je ne sais pas, sur les étiquettes, des mots-clés, des petits signes qui vont pouvoir nous indiquer qu'on est face à de la qualité, je ne sais pas, une médaille, ou alors on va vers l'étiquette qui nous semble la plus sympa. La plus sympa, achetez-moi, ça serait une idée, par exemple, de marque. Non, je pense que vous faites référence, par exemple, alors, il y a l'AOC, évidemment, mais une AOC et une IGP, par exemple, indication géographique protégée. On n'est pas sur le cahier des charges de l'AOC. Il y a des IGP ou des vins de France qui sont meilleurs, voire aussi bons que certaines AOC. L'AOC, là non plus, n'est pas une garantie de qualité. C'est la première chose. Concernant les labels ou les médailles, c'est vrai que ça se vend très, très bien. Un acheteur encore récemment m'expliquait que ça marche, hein. Dès qu'il y avait une médaille à poser sur une bouteille, il en vendait 8 fois plus. Ouais. On se dit qu'il y a un jury qui a donné son avis. C'est toujours mieux que nous. Il y a encore deux ans, on avait fait un dossier spécial dans la Revue du Vin de France sur justement le principe des concours. Vous savez combien il y a de concours chaque année en France? Plus de 100. Il y en a 104 très précisément. En 2018, il y avait 104 concours qui étaient organisés à travers toute la France. Il n'y a pas toujours des vrais jurys derrière. Il est là le problème. Parfois, juste on paye la médaille. Exactement, on achète sa médaille. Et donc, il n'y a aucune solution, à part juste acheter des revues et se renseigner un peu. Si, la meilleure solution, c'est d'avoir la possibilité de les goûter, d'en discuter avec... En grande surface, on ne peut pas goûter. Vous pouvez goûter à l'occasion des soirées inaugurales. À l'occasion. En respectant la distanciation sociale. Bien sûr, et la modération. Sinon, on peut prendre ce que je fais moi. Ça marche assez bien, hein. 2 fois sur 3. L'image la plus moche. Prends la bouteille la plus laide. Mais pourquoi? Si, parce que ça veut dire que le gars, il est brave. Il va pas mettre en avant un truc. Il va te vendre ce qu'il a. Vous voyez le coup d'étiquette et ça marche. Sinon, on peut aller chez son caviste aussi, où là, normalement, on a les conseils d'un professionnel. Quoi. Après, on a toujours peur qu'il nous oriente vers la bouteille la plus chère. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais on parle de goût. L'avantage d'aller chez un caviste, c'est qu'à un moment, il va vous poser des questions simples. Ouais. Vous aimez quoi? Vous aimez le blanc, vous aimez le rouge, vous aimez fruité, plutôt sec, bon, etc. Donc, il y a un premier écrémage dans la sélection qui s'opère. Et là, il peut vous aider, il peut vous orienter, etc. Je dirais que le juge de paix, c'est le goût. On est tous autour de la table. Je suis certain qu'il n'y en a pas un qui a le même goût en termes de vin. Voilà. Le caviste, il va vous aider, vous conseiller par rapport à ça ou par rapport à ce que vous avez, ou les amis que vous invitez lors d'un dîner, en disant, ils sont plutôt comme ça, ils sont plutôt comme ça. Ou les plats que vous allez cuisiner. Voilà, c'est l'assistance. Et ça, aujourd'hui, c'est la plus-value et le conseil. Et puis, il y a le ressenti aussi. Je rappelle que, je le dis souvent, le vin en France est considéré comme un produit très élitiste. Vous-même, vous le dites, on ne sait pas. C'est un peu comme l'art. On ne vous demande pas d'être un expert en histoire de l'art. On vous demande d'aimer l'art. Voilà, le vin, c'est pareil. Il y a le conseil du caviste, il y a parfois des conseillers dans les supermarchés au moment des foires au vin. C'est Jean-Philippe qui demande ce qu'ils valent. Il a l'impression que c'est souvent des commerciaux qui représentent les marques. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ça arrive très souvent et vous imaginez bien qu'on ne peut pas être jugé parti. Hein. Je suis commercial pour telle maison, évidemment que je vais privilégier les vins que je propose. Ce sont forcément des commerciaux. Mais loin de là, il y a également beaucoup de vignerons qui font aujourd'hui le déplacement. Les grandes surfaces ont ouvert leurs portes aux vignerons. Ils savent que ça marche. Et cet échange-là, il est sans commune mesure, très qualitatif, et il permet effectivement de comprendre comment a été élevé ce vin, d'où il est issu, et ainsi de suite. Tout le travail de la nuit. Et quel que soit le choix que l'on va faire à l'arrivée, l'important est évidemment de consommer avec modération. Parfait, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. On file maintenant dans les canapés pour répondre à vos cas pratiques.